Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réaction. Réaction, aujourd'hui nous sommes le 30 juin 2024. Je suis très content aujourd'hui parce que vous m'aviez appelé, vous m'aviez honoré avec vos abonnements et surtout votre fidélité. Avant de commencer, donc, je voudrais d'abord m'excuser parce que vous alliez remarquer, beaucoup de gens ont remarqué que la dernière vidéo dont nous avions posté a été retirée par YouTube. On m'a accusé d'enfreindre les lois. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas capables d'aller suivre la vidéo. Quand vous cliquez, on vous dit que la vidéo n'existe pas. C'est tout à fait normal parce que beaucoup d'entre vous, et il y a encore beaucoup de gens qui continuent à me poser cette question, la vidéo a été retirée, je ne sais pas, parce que l'image ou bien la vidéo avec le petit enfant, avec la chanson de notre petit enfant avec une machette, ça c'est interdit, c'est ce qu'ils m'ont dit que non, ça enfreint les lois de YouTube, donc c'est quelque chose qui va dans le terrorisme. Donc, vous allez m'excuser pour ça, mais cette petite vidéo, quand même, était là depuis, je crois, à peu près un mois maintenant que nous avions fait passer. On n'a jamais eu de problème, mais cette fois-là, on l'a censurée et donc la vidéo a été retirée. Alors, donc, vous allez m'excuser pour ça. Donc, nous allons essayer un peu de changer, peut-être, demander à ceux-là qui aimeraient avoir leur vidéo sur cette chaîne, de respecter aussi, parce que moi aussi je ne savais pas, lorsque on m'avait envoyé cette vidéo là, j'ai trouvé c'était intéressant. Mais voilà les choses que nous rencontrons souvent sur YouTube lorsque ce genre de choses arrivent, c'est disons indépendamment de notre volonté. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous aviez lu dans le titre, nous allons parler encore un tout petit peu du développement de l'arrière-pays. Nous allons parler un peu sur le département que dirige Muindo Zangi. Il a été sur Radio Okapi et dans une émission et nous avions pensé qu'il était temps à ce que nous puissions éclaircir cela. Cela va aussi dans le sens où nous avions parlé du développement des 145 territoires. Nous avions expliqué dans quel contexte le développement des 145 territoires devrait être engagé. Nous avions dit ce que nous pensions pour que nous puissions développer l'arrière-pays. Mais aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, suivre ce que Muindo Zangi, un petit extrait, ce qu'il avait dit, nous allons développer et nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec le nouveau gouvernement. A-t-il pris les choses là où les autres ont laissé? Que cet argent-là qui a servi, qui est sorti dans la mandature passée, qu'est-ce que cet argent a servi? Est-ce qu'il y a-t-il un résultat qu'ils peuvent présenter en disant, voilà ce que nous avions fait, et ça devrait être fait par le nouveau entrant en disant, voici ce que les autres ont fait et là où ils partaient. Maintenant, nous autres, nous vous allons prendre à partir de là où ils ont laissé et nous allons continuer le chemin. Voilà un peu ce qui va nous unir. Sans oublier aussi, nous allons expliquer exactement ce que nous pensons de la 4e République dont nous prenons ici, ou la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, comme toujours. C'est pas là où nous allons terminer. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous allons revenir pour développer notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Massissi, calme précaire à Oufamandou. Kasaï Oriental, ses premiers messages du nouveau gouverneur. Et puis Liban, escalade entre Israël et Hezbollah. Plusieurs pays rappellent leurs ressortissants. On va sur actualité.cd. À RDC, l'entrée en vigueur du décret portant règlement d'administration relative à la discipline renvoyée
au 1er août, Kinshasa, le mécanisme de redevabilité des députés nationaux à la population au cœur d'un forum. Et puis Congo Airways court le risque de perdre son certificat de transporteur aérien d'ici le 16 septembre. Le gouvernement a appelé à exécuter d'urgence son plan de relancement. Congo profond, anarchie à Makala. Des habitants du quartier Mfindi se transforment en agents de la régie des eaux. Nomination de commissaires généraux, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, avait pris soin d'informer le ministre de l'Intérieur. Boxe, combat épique et émotion forte au premier tournoi Trophée Makabu à Kinshasa. 7 sur 7, nous n'allons pas négocier avec ce qui nous agresse, dit Semounia. Et puis le gouvernement envisage de construire des cimetières Gene Costa Beni à Kanyabayonga en mémoire des victimes des conflits armés. Et enfin, RDC, Acacia Bandoubola et Gilles Alinghetti font de la mobilisation des recettes dans le secteur foncier. Merci. Là, on va terminer avec Radio Okapi. Félix Tshisekedi veut consolider la gratuité de l'enseignement de base en RDC. La cité stratégique de Kanyabayonga tombée aux mains des rebelles du M23. Et puis, à résolution pacifique du conflit en RDC, le président angolais Joao négocie une rencontre avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup, en tout cas, une fois de plus, d'abord pour vos vœux, parce qu'aujourd'hui c'est mon jour d'anniversaire. Je me suis réveillé avec une pluie de messages. Alors il n'y avait pas moyen à ce que je puisse répondre particulièrement à vous tous. Donc je ne savais pas qui commencer de dire merci et tout ça. Je me suis dit je vais le faire maintenant comme vous me suivez. Et vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, merci pour vos vœux. Merci beaucoup. En tout cas, ça me va au fond de mon cœur. Merci. J'espère que cette journée d'aujourd'hui sera aussi une journée très productive pour moi et pour vous, et que nous entamons une nouvelle année. Cette année, puis c'est une année où lui-même va se glorifier dans notre vie. En tout cas, merci pour vos vœux. Merci. Ça me va droit au cœur. Alors, entrons dans le vif du sujet. Commençons d'abord par suivre ce que Muindo Zangi. Transport. Ça va faire maintenant plus de 50 ans que les villages ne sont plus connectés aux villes. Par l'absence des routes de cette agricole, par l'inexistence maintenant de plusieurs routes nationales, et par le fait que les voies navigables de cette agricole ont pratiquement été abandonnées. Ce qui crée pas seulement de l'anarchie, de la désolation et de la mort. Je crois que vous avez toujours des nouvelles de naufrages, des baleinières dans le pays. C'est parce que le transport n'est plus organisé. Et puis, au-delà de ça, même les peu de gens qui essaient encore de produire quelque chose dans le pays, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir évacuer vers des grands centres de consommation. Mais M. Ministre, c'est justement ça le problème. Comment expliquer tout cela lorsqu'on sait que depuis, en tout cas, selon nos recherches, depuis 1977, la RDC dispose d'un ministère essentiellement pour le développement rural, c'est-à-dire qui avait pour mission de planifier tout ce qu'il faut au programme pour développer le monde rural, et rien n'a marché. Comment aujourd'hui nous décrions, nous faisons cet état de lieu qui laisse vraiment à désirer? Oui, j'ai fait en fait cet état de lieu pour ne pas dédouaner qui que ce soit. Je vous dis, c'est un état de lieu global. Général. Dans tous les secteurs du pays. Dans tous les secteurs du pays, on a assisté à cette déliquescence. Et c'est un fait qu'on doit accepter. Le ministère du développement rural, bien évidemment, n'a pas échappé à cela. Il y a eu plusieurs plans qui mettaient l'accent au développement rural. Ce qui se sont suivis n'ont fait que maintenant venir répétuer les initiatives. Alors, moi je viens d'arriver au ministère du développement rural. Il y a eu beaucoup de projets dans le cadre de mon ministère. Je ne vais pas venir vous dire ici que non, tout,
tous ceux que j'ai rencontrés n'ont pas été roses. En tout cas, tout le monde qui est arrivé a essayé de faire des initiatives pour résoudre ce problème, notamment de l'inexistence quasiment du développement en milieu rural. Donc, nous sommes arrivés et je voudrais que nous puissions passer beaucoup de temps à pouvoir discuter de la perspective d'avenir. Qu'est-ce que nous voulons faire de ces ministères pour essayer, tant soit peu, de régler des problèmes fondamentaux qui se posent au niveau des territoires. Alors, par rapport à l'état de lieu que vous venez de faire, on se rend compte qu'il y a des défis énormes pour essayer de développer nos milieux ruraux. Alors, il y a déjà, il faut le dire, ce projet PDL 145 territoires qui a donné l'espoir pour rendre les milieux ruraux viables. Mais malheureusement, pour l'instant, selon beaucoup de nombreux observateurs, le taux de réalisation demeure encore faible, alors que ce projet a suscité beaucoup d'espoir pour rendre ces milieux ruraux viables. Je suis encore à l'étape de l'évaluation. Vous savez, je viens de parler au ministère il y a une semaine. Je suis encore à l'étape de l'évaluation pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour que, voilà, dans ce que nous sommes en train de faire, nous puissions... ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant aujourd'hui un président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait maintenant de l'agriculture ou du monde rural la priorité de son programme. Je crois que vous avez suivi le programme du gouvernement et vous avez vu que l'ensemble des mesures qui sont prévues, c'est pour essayer de régler des problèmes du développement du pays et plus précisément le développement rural. Et je crois qu'avec la vision qui est celle du président de la République et la détermination qui est la nôtre, nous allons commencer des actions concrètes que je vais devoir vous énumérer ici pour essayer de rectifier les lignes là où ça n'a pas marché dans le PDL 145 territoires, pour essayer de redonner un autre cap et surtout faire en sorte que les milieux ruraux participent au développement économique du pays. On ne peut pas développer le pays à partir seulement de la ville de Kinshasa et de quelques villes. On doit développer le pays de manière intégrale et intégrée. Et je crois que le dynamisme qui est le nôtre, nous allons devoir le mettre au service de ce pays pour qu'on entame des actions qui règlent la question au niveau de la base. Et c'est très important qu'on ne règle pas le problème par un coup de bistouri. Il faut les régler de manière profonde pour que les mesures ou l'effort que nous allons utiliser puissent être pérennisés dans une vraie stratégie, une stratégie d'abord d'autonomie alimentaire, puisque c'est ça la clé. Si notre monde rural s'investit à produire pour les pays, à assurer la sécurité alimentaire des produits qui sont effectivement 100% congolais, nous aurons réglé le problème. Puisque le problème n'est pas seulement des axes sociaux que nous menons au niveau on peut bien le faire, hein, aller faire des forages à gauche, à droite, aller mettre des lampadaires gauche, à droite. Mais ça ne règle pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est comment on intègre les villages dans la production nationale pour qu'en produisant, à créer des richesses, les villages puissent être rendus autonomes et créer la richesse aussi au niveau du village. Donc, on comprend que c'est l'un des défis majeurs, en tout cas pour le gouvernement. C'est le socle même du développement du pays. Comment faire en sorte que, là je deviens concret, comment faire en sorte que tous les maïs consommés dans les pays soient produits par nos villageois? Et on se pose des questions, qui finalement sauvera notre pays? Parce que ce qui énerve ceux qui sont à l'opposition, il faut beaucoup de discours. Une fois au pouvoir, rien ne change. Et des fois, ils deviennent plus dangereux que ceux qui dirigeaient, que leurs prédécesseurs qu'ils critiquaient. Beaucoup de gens se posent des questions, Marcel. Quel est le rôle du ministère du développement rural en RDC? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Parce qu'on ne voit absolument rien. Et des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'on nomme déjà des ministères pour répondre aux attentes du peuple congolais, relever les défis, ou juste on les nomme pour qu'ils se partagent les gâteaux? L'intention de venir régler, comme par un coup de baguette magique, toute la situation. Mais ce que je voudrais rassurer,
tous ceux qui nous écoutent, c'est que par rapport aux moyens qui seront mis à ma disposition, je vais faire des choses. Et moi, je, dans mon programme, le premier axe, c'est le désenclavement du pays. En tant que ministre du développement rural, la première compétence que j'ai, c'est de faire les routes de dessertes agricoles et les voies navigables de dessertes agricoles. Alors, heureusement pour moi, puisque c'était ministère, c'est aussi mon domaine de formation. Et donc, je me suis dit que dans ces pays, parfois, nous faisons des choses sans savoir dans la durabilité comment elles vont aboutir. Vous ne pouvez pas faire une route de cette agricole dans un millier, une route qui n'aboutit à rien. Comme vient de l'indiquer ici notre ami qui est à Vienne, plusieurs routes nationales n'existent presque plus ou ne sont pas dans un état dans un bon état. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une route de cette agricole qui débouche sur des routes nationales qui ne sont pas praticables. Et on a fait beaucoup de programmes ici, on a réhabilité beaucoup de routes. Et 3 mois, 4 mois après, toutes ces routes n'ont servi à rien. Parce qu'effectivement, on fait une stratégie de faire des routes qui aboutissent à des lieux qui, eux aussi, ne sont pas. Parce que moi, je ne suis pas le ministre des ITPR pour faire les routes nationales. Donc, j'ai à ma charge faire les routes de cette agricole qui aboutissent aux routes nationales. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? En regardant la carte du pays, heureusement que j'ai travaillé sur ce programme, je me suis retrouvé que 94 territoires sur 145 sont désenclavés par l'eau. Si vous voyez la carte, effectivement, c'est ça que les Belges utilisaient. Toutes les routes dans cet espace-là, toutes les routes de dessertes agricoles convergeaient vers des ports. Vous avez vu notre ami de Vienne, Franck, oui. Franck, qui vous a parlé. Par exemple, si vous voyez ici la carte qui est devant moi, malheureusement, je ne sais pas la partager avec tous les auditeurs, mais c'est pas grave. Vous avez trouvé, par exemple, quand il parle de Bandouville, il dit Bandouville est enclavé. Mais Bandouville, c'est port. Donc, c'est enclavé par la route, mais c'est désenclavé par les eaux, qui sont navigables. Et je voudrais bien dire aux gens, qu'en tant qu'économiste, je sais que les transports maritime, c'est le transport le moins cher. Mais mal exploité avec de baleinières qui... Je voudrais y arriver. C'est comme ça que dans le programme de désenclavement que j'ai comme mission, la première chose que je vais faire, le premier projet que je vais présenter déjà ce vendredi au Conseil des ministres, c'est la promotion des voies navigables des dessertes agricoles. Je voudrais bien le dire aux gens, puisque c'est des choses claires, il y a des études claires, il y a eu des financements de l'Union européenne pour les balisages de toutes ces pistes. Ça coûte moins cher d'entretenir une voie navigable de dessertes agricoles ou une voie navigable tout court que d'entretenir une route. Ça coûte moins cher de baliser 1 kilomètre de voies navigables que d'entretenir une route de dessertes agricoles. Encore que, au niveau de la durabilité, c'est plus facile parce que l'eau coule et l'eau coulera toujours s'il se voit naviguer. Mais il faut également, monsieur le ministre, et ça il faut le dire, assurer les bons moyens de transport par rapport à ces voies. Donc je voudrais vous dire, c'est comme ça que je suis en train d'y aller, je vous dis que pour moi, ce que je vais commencer à faire, et dès le mois prochain je commence, c'est de baliser les voies navigables des dessertes agricoles. Et ça représente pour moi 11 300 kilomètres dans les ressorts du ministère des développements ruraux, et effectivement 8000 km dans les ressorts du ministère des transports. Mais il faut dire que les grandes voies qui sont sous la charge du ministère des transports n'ont pas beaucoup de problèmes puisqu'elles sont praticables même aujourd'hui. Avant de pouvoir continuer le balisage, il s'est posé des problèmes pour ce qui concerne. Par exemple, apprenant seulement les bassins de la rivière Kasaï, vous désenclavez les Kwango, vous désenclavez les Maïndombe, vous désenclavez les Kwilu, vous désenclavez les Kasaï, vous désenclavez les Kasaï orientales, les Kasaï occidentales. C'est plus facile à faire et moins cher à utiliser que de continuer. Et c'est ce que les Belges ont utilisé. Ils ont utilisé massivement les voies de cette agricole. À ce moment-là,
les routes de cet agricole que nous allons faire dans ces zones, ce sont des routes qui conduisent les marchandises ou les denrées alimentaires vers des petits ports que nous allons devoir réhabiliter et construire des entrepôts. Et pour ce faire, nous allons privilégier les PPP. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs agricoles, ou les petits ou moyens, ou des coopératives qui sont intéressés à exploiter un tronçon, à exploiter une voie navigable, on va devoir les appuyer pour faire de petits ports, pour faire de petits entrepôts, afin de permettre... Hier, j'ai parlé avec un opérateur qui quand il m'a suivi à la conférence de l'université, il m'a dit, mais voilà. Il m'a dit, mais excellence, est-ce que vous savez que moi j'ai un bateau? Et il dit que avant-hier, mes barges quittaient Lusambo pour rentrer à Kinshasa et ils étaient vides. Il dit, j'ai décidé avec mon gérant là, de faire un autostop, c'est-à-dire que village par village, quand il arrive à un village, il s'approche et il dit aux gens, j'ai de l'argent, ceux qui ont de maïs, je voudrais que vous veniez. Et vous savez à combien il a acheté le sac de maïs? À 25 000 francs. C'est-à-dire que il m'a dit qu'à 3 villages, il a fait 120 tonnes. Ça veut dire que nous avons des denrées alimentaires qui pourrissent. Alors qu'aujourd'hui, le maïs ici à Kinshasa, aujourd'hui, sur le marché, un sac de maïs, c'est 135 000 francs. Donc nous avons des denrées alimentaires qui pourrissent parce que les gens n'ont pas les moyens de pouvoir les évacuer. Alors, déjà, on retient, M. Omid, parce qu'il faut avancer, les voies navigables font déjà partie de vos projets pour désenclaver le monde rural. Je vais faire la promotion et je voudrais bien rassurer ceux qui nous suivent que ça me permet de désenclaver 94 territoires sur les 145, ce qui représente 65% de nos territoires à milieu rural. Ça, c'est le premier axe. Alors, le deuxième axe, effectivement, ce sont les routes de dessertes agricoles qui vont maintenant être orientées dans les zones déjà couvertes par les réseaux des fleuves, qui vont être orientées vers des ports et pour les endroits qui ne sont pas couverts des provinces comme le Haut-Touélé, les provinces comme l'Ituri, comme le Nord-Kivu, comme le Sud-Kivu, Tanganyika, Lomami, Olomami, Lualaba, Okatanga, on va effectivement réorienter vers les routes nationales. Je voudrais donc que cela soit retenu comme tel, que c'est ça la grande orientation que nous allons prendre. Et je voudrais dire aux gens que, en dehors de cette activité de désenclavement, nous sommes en négociation, et je vais remercier celui qui a parlé de la transversalité de notre ministère. Nous sommes à pour parler avec le ministre de l'entrepreneuriat pour que les gens propriétaires des baleinières, puisque les gens utilisent les baleinières parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de pouvoir faire des bateaux. Mais si vous arrivez à Goma, vous allez trouver que les Congolais fabriquent des bateaux, les gens voyagent ou même les marchandises sont faites dans des conditions qui sont acceptables. Et donc, on est en discussion avec lui pour qu'on fasse un programme un peu d'esprit de vie, comme on a fait esprit de vie ici, c'est-à-dire que le gouvernement va appuyer les opérateurs à pouvoir fabriquer des bateaux, et je voudrais bien dire des bateaux adaptés à chaque cours d'eau, de telle sorte que les gens qui voyagent là-bas, les propriétaires de baleinières, ils aient la possibilité de venir acheter à tempérament des bateaux, avec l'appui du ministère de l'entrepreneuriat, bien évidemment, et c'est là pour faire des bateaux dédiés. En dehors de ça, j'ai comme mission l'organisation des villages. Alors, nous allons lancer très rapidement et puis là, je vous appellerai. Nous sommes pratiquement le seul pays où, quand vous arrivez dans un village, vous ne savez pas si c'est un village organisé. Il n'y a personne qui vous pose une question de savoir vous venez d'où, vous allez où. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ceci. Nous avons dit que nous allons faire des catalogues de villages organisés. Je vais aller très rapidement. C'est-à-dire que nous allons décréter, ensemble avec les gouverneurs, bien évidemment, avec les chefs de territoire, que chaque village de ce pays doit avoir cette chose. Chaque village. Il y a des choses qu'on a maintenant, qu'on peut avoir à décréter. Et d'autres choses, effectivement, qui vont demander que les gouvernements interviennent. La première chose. Énumérez rapidement, ça, parce qu'il y a des auditeurs, monsieur le ministre, qui veulent également intervenir. Il faut beaucoup intervenir. Un village doit avoir une école. Un village doit avoir un poste de santé. Un village doit avoir un marché.
Un village doit avoir ce qu'on appelle l'espace du village. L'espace du village, ça veut dire c'est un endroit qui permet aux gens de venir apprendre un peu de civisme, où on doit avoir un drapeau de la République démocratique du Congo. C'est très important que l'on le sache. Un village doit avoir un cimetière. Quand nous faisons la campagne, nous arrivons à des endroits où les gens nous posent des questions. Non, quelqu'un est mort ici, on ne sait même pas où l'enterrer, puisqu'effectivement, un village organisé, il n'a pas de cimetière. Un village doit avoir une activité économique intégrée. C'est-à-dire que si vous êtes producteur de maïs, hein, vous devez avoir à côté de ces maïs un petit moulin, vous devez avoir un petit entrepôt qui vous permet de pouvoir le faire. Un village doit avoir une radio rurale qui vous permet de pouvoir communiquer entre vous. Un village doit avoir un espace de jeu. Voilà, donc, on va devoir travailler avec ça pour faire de l'animation. Il y a des choses qui ne demandent pas de l'argent. Et on va suivre de près comment tout ça. Il y a des choses qui vont demander un accompagnement du gouvernement. On va suivre de près comment tout ça va se matérialiser. En dehors de ça, il y a l'électrification rurale, l'hydraulique rurale, et ça, ça fait partie de nos activités de routine que nous allons faire. Mais je vous ai dit que le fondamental, c'est d'appuyer la production rurale. Et pour appuyer la production rurale, les facteurs clés, c'est le désenclavement, c'est avoir la possibilité d'évacuer les produits agricoles vers les centres de production. Faire des programmes communs. Mais moi, je pense que l'objet ou bien place où l'État, gouvernement central et Kozala, ministère et le développement rural et Kozala, justement, réorganiser, refaire fonctionner le village. Vous ne pouvez pas commencer à dire que non, nous allons implémenter, nous allons mettre un terrain de jeu là-bas dans tout ça. Non, ce n'est pas à vous, ce sont à eux. Peut-être. Gouvernement central est qu'on catalyse le projet, qu'on informe le tourne, qu'on ait des sabangos, bien même tout le monde de Kuna Kosala. C'est à eux maintenant de se dire que eux ont beaucoup à biso, tourne à baso à Kosala sabiso. Ils ne viennent pas faire les choses pour nous, mais ils viennent nous aider pour que nous puissions nous retrouver, tous se retrouver tous à la ensemble, tous les bananini, tous qu'on développe village nabiso. Alors quand vous écoutez tout est ce que Mouindo Zangi a développé dans cette interview, vous comprenez que l'Ikambouana n'y a pas de Kaka, Kinshasa n'y a pas de Kouéba, non, village, tel. C'est ainsi que vous allez voir. Il n'a pas parlé de ce que les autres ont fait. C'est comme si Basala est là comme mon côté. C'est comme si Basala est là comme mon côté. Donc nous n'avons aucune politique du développement de notre arrière-pays. Tout ça, ma politique, mon côté. Ce qui est là, ma politique, mon côté. Il y a les cas qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans la place de Moninga Tikaki. Il y a des gens qui place telle. Comme ça, nous suivons le développement. Mais il y a des idées, peut-être, qui étaient contraires de tout ce que les autres ont fait. Il y a des idées que l'idée en est à non. Moi, je crois que c'est une bonne idée. Mais il faudrait maintenant l'inclure dans une politique parce qu'il y a à cause de la haine éternellement. Vous comprenez? Les moyens qui étaient à leur disposition. Et ça, là, qui nini na banana. C'est pour cela que vous allez voir que Moutoura Moutouazoya, Azoya Kosala Makambu. Prenons par exemple l'exemple ou bien l'illustration que. Ministère à sport et ça flagrant Didier Boudou Mboye a bandi ko kende kota li sabasta de nenge baby ba toilette à mabé tout ça. Il n'y a aucune politique sportive qui est implémentée en République démocratique du Congo. Exact. Donc Batier wana c'est comme si ayé bon yenda comme ko le babon nana na ko sala nini na siko. Bon ndenge nana ye a na ko se focaliser na nini. Il n'y a pas une succession. Là, le ministère, non, ce bon, tous autant là, ah ouais, ministre de la justice, il y a un appel à Kéi, dans la prison, à Kéko Talaboye, à Sali Bouka, Moutouna Moutouaza, pour qu'on conseille qu'on se mette en vedette. La première ministre est partie à Gabukavu, à Kéko Talabachantier, tout ça. C'est bien bon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va lier, Ménini? Ba ministre mususu wana nde bangwana bakangami ministre mais il y a des personnes qui ont été arrêtées bon la ngona actualité awa ndenge bazalaki appelé ba mususu ba gouverneur mususu ministère intérieur pa donc chacun fait ce qu'il pense qui doit être dans son secteur à faire
et il n'y a aucune politique aux actes au guider biso. Moi, je pense que le premier ministre, tant que ça a la remise et reprise, il devrait en principe à côté la balobi. Bon, ok, bandeko, bon, tu as le programme à 145 territoires et souka qui awa. Voilà où nous nous sommes arrêtés. Voilà où biso tâche na biso et qu'on a la pour la coexécuter en mots. On en a parlé, on n'en a pas parlé. Il y a maman, il y en a six, ceux qui m'ont, ceux qui, si, comment ils ont appelé, bah, axe, mais ceux qui six axes au place à Kosala. Il n'a même pas cité le programme de 145 territoires. Donc, état lié était pour l'instant. Ce n'est pas son problème. Et ça qu'on continue. Or, c'est quelque chose déjà qu'elle devrait s'approprier en disant, oh, c'est le Komoko Amakasi. Je parle ici, par exemple, Likambo Bukangalonzo. Si c'était inclus dans une politique, par exemple, que non, en 2028 ou bien en 2025, nous devons arrêter d'importer le maïs. En 2030, la République démocratique du Congo n'importera plus le vivre. Donc, tous les gouvernements qui peuvent venir, à tabas, nommer un ministre, tant que coma, la première des choses que tu as le lobby, bon, ok, ma objectif au Congo est et se faire, par exemple, à ne plus importer le sucre. Je donne un exemple, je prends ça comme ça. Et de ne plus. Bamassangu, n'a pas qu'un sucre, ma plantation est souki wapi. Oh non, souki awa, koko soza koto, koto, koto. Bon, financement, ça va continuer. C'est comme ça que Mboke Kendaka, selon moi, ça c'est ce que moi je dis. Batuna batu bazala kana place ni nango bazala kotindi kamboka na bango. Mais le nom au bisso en République démocratique du Congo, nous remarquons que chacun vient et ça n'est pas qu'au bande la macambunaye. Donc, à comme kota la même bienvenue, n'a pas la kotika kombo nanga. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour que likambo o etikala kombo nanga etikala? Ah, il ne faut plus compte de ce que les autres ont fait. Voilà, c'est comme cela que vous allez voir, même le président de la République lui-même. S'il était question, non. Président de la République, je vous donne un exemple. Tu as Kenya, Mene Bazako, Bukobundakuna, Oyoki. Bah oh, nous sommes Mene Bazako, la Kisa, Mabea, Yanania. Il y a président na bango o balingi ba banane ba bengana ba lobi makam ba sali comparaison ba lobi to lingeto kendebe mbongo o a defi azo sala na ngoni ni ba komi koleksa makamba ba sapatu ba komi koleksa makamba ba ya ba ya biloko ya yo azo sala. C'est parce que peut-être tout s'est concentré sur lui. Nous n'avons pas un programme bien précis. Oh, Bokonzalobi Bandeko, moi à la fin de mon mandat, moi je crois que nous devons avoir un chemin de fer qui quitte Kinshasa jusqu'à Mbandaka. À la fin de mon mandat, voici les objectifs. C'est ainsi que je dis, Mundo Zangayin, bien sûr, Nandimi, m'applaudir. En tout cas, cette analyse-là, elle était vraiment correcte que non. L'objectif peut être atteint. Mais ça ne peut pas se faire dans une année. Mais ça ne peut pas se faire dans deux ans. C'est un programme qui devrait être inclus dans ce que nous appelons, par exemple, objectif à Félix Tshisekedi. Selon ce qu'il veut, sa vision. Mais il a une vision. Même si le ministre est beaucoup allongé, le ministre a Koya, a Gokuta, par exemple, dans le département de développement rural, Balobi, dans chaque village, il doit y avoir ABCD. Batouana, tu peux contrôler Bango, tu peux bander avec Bango, Bango, et même vous commencez à se dire que, ok, awa biyanga na biso pe okoko produire. Malgré que Bango, oh, ça, Kouta, nanani, na gouvernement central, mais awa, qu'est-ce que nous produisons? Est-ce que Bango, tu as ko produire, et okoko pe sa biso, tu accélérer, tu as ton gabino, comme sous, tu inviter Batoubele, tu fructifier. Révolutionner notre village, par exemple, Babino Kwasika, Tokomi Kotiango, et quoi attirer Batunakati à village Nabiso, et puis ça va attirer, par exemple, le tourisme et tout ça. Et monsieur Kozala,
Maintenant, les choses sont entamées, soit commencées par les gens eux-mêmes, parce qu'ils savent que non. Awa, tozalaka na hôtel te. Awa, tozalaka boye te. Voilà, bande, koto construit. Comment est-ce que nous pouvons faire la promotion de notre village? Babino, kona nyo, surtout ceux qui ezali, na katia, batou, baza, ko s'approprier na nous. Vous allez voir un peu, aussi la concurrence va être là. Les gens vont commencer à se dire, eh, kote kuna basali boye, en tout cas, awa, to kinoui, bien si là. Et les gens vont commencer à montrer les intérêts, yanani. Ils vont commencer à mettre les intérêts de la communauté en avant. Batuna batuba koza la proud mesika na bango. Batuna batuba bako sala de façon que qui lui bien zalaté ba objectif na bango ezala atteint même en gozo sala. Bo yo sini sino o sali obeli bien par exemple au Koufi. Mututa wa Koufi bonana ngo tangu mususu aza ko remplacer zo ba kino to le ba ki to ko kendeti a. Et ainsi nous pouvons perpétuer cette mentalité de développement à nos enfants et à nos arrière petits enfants. C'est comme ça que ça se fait partout ailleurs. Il faut développer le pays. La technologie à Sikekomi, comment est-ce que nous allons les accueillir? La télévision à Sikekomi, comment est-ce que nous sommes dans le village, nous allons attirer Batou, comment est-ce que nous allons augmenter notre production ici, dans le village, Nabiso? Voilà un peu ce que moi je pense que c'est que le gouvernement actuel devait se pencher ainsi. Tezu bilan ta mon côté ya mandature passé to komi ko la ka ke no ba ko kanga mutuba o. Ça ce sont des petits scandales ponctuels qui existent par-ci par-là, mais en globalité nous devrions savoir président de la République comme c'est sa vision, comme celui qui chapeaute tout. On devrait faire un bilan en disant par exemple dans le secteur économique, est-ce que nous avons développé? Que ça ne soit pas des histoires qu'on nous raconte là. FMI, à l'obakimbo et tout ça, qui ne se sent pas au niveau de la population. Population fait aller yéba. Tu m'as dit que le cycle, combien de l'eau, tu importes à calcium, cycle T.
Nous commençons à reproduire le coton, nous commençons à exporter les matières finies. C'est ça le développement. Lorsque les gens commencent à s'approprier, il y a développement à Bango Bango Moko. C'est à ce moment-là qu'il y a une émulsion. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que non, mais nous autres, lorsque nous pensons que nous allons commencer à faire une perpétuelle, recommencement tant on a eu un grand nombre de nakozalabo, un grand nombre de kwantombolo, un grand nombre de nakobimisambo, mbo kanabiso, nabouumbute, bandeko. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça doit être de génération en génération. Il y a un homme à ka, Hermokosu qui bozolo, États-Unis, tout ça, mutu. Ils ont une politique de 50 ans. Ma kambo bazako kanisalelo, ezo salema. Makambo Josalema Lele aux États-Unis a été pensé il y a longtemps. Et il y a un plan d'exécution, même en France, même en Belgique, même au Royaume-Uni. Ce n'est que chez nous où chacun vient, il arrive, il commence là, il va recommencer à Kobanda Kosala Makamuna Bango Daye. Et c'est ça notre pratiquement l'erreur que les Congolais sont en train de commettre pour développer ce pays ici. Bandeko. Vous n'êtes pas sans le savoir que Kadjambayonga est tombé. Ça, c'est une parenthèse que moi, je ne voudrais plus parler vraiment de cette guerre-là. Pour Nakola Kisabino, comment est-ce que nous nous sommes trempés dans ce que nous appelons aujourd'hui le sensationnel? Tokobeta Kagame, Akola, la Lissousunanda, Kunaete, Ngaï Mokenge, Liaba. Nous avions oublié l'essentiel, Bande Konangaï. Et nous avions. La guerre ne se terminera pas par la. Disons, la paix ne viendra pas par cette guerre. La personne ne la gagnera. Et ma Bande Konangaï, Sabino, que nous risquons de connaître la FDL. Et ça, bientôt, que nous sommes la Bande Konangaï. Ma solo, on nous a dit que nous sommes en M23. Non, nous avions pris l'option qui a coloba que non. Ok, Kagame mbe mtu M23 a coquille vide. Ok, toke ndeko solana Kagame. Kagame a koebi sabine nini. Kagame n'a rien à faire. Il va vous dire quoi? Bon, kende bo sala, bon solana nini. Ma kabuna bino interne, bon kende solana ngo Kagame. Lorsque vous faites ça, c'est une grosse erreur. Et ça erreur me kwa mounemi. Si nous voulons terminer cette guerre ici, nous devons nous mettre, nous les Congolais, sur la table. Tout solutionner ma Kambona Bisso. C'est nous-mêmes qui doivent rester à Tozo Loba. Nous n'yango. Problème est à Nini Bande Konanga Awa. Eh, Bino Mozaba M23 Boyananu Awa. Bino Mozaba Kokbakodeko Boyananu Awa. Et moi, je me suis dit, la manière de causer avec. Tous ces gens-là, ce n'est pas les appeler un à un. Tika population à l'oba. Et nous nous sommes dit, la bonne manière pour causer, pour terminer cette guerre, c'est de proclamer la préparation de la 4e République. La préparation de la 4e République, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chercher une cohésion nationale pour que nous puissions entrer dans la 4e République. La 4e République on n'y entrera pas comme ça par hasard ou par proclamation. Nous devions matérialiser cette 4e République en la préparant. Et nous la faisons comment? C'est ainsi que nous avions dit. Nous avions appelé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ayant le pouvoir aujourd'hui, en disant: Bandeko, il nous reste 4 ans à faire un mandat nangai. Notre gouvernement Oyo, essentiellement pour que tu prépares Mboka Nabiso Oyo à 4e République. Et cette 4e République, nous devrons avoir une cohésion nationale, nous devons avoir refondé le Congo, nous devons avoir administration malam ou ça, la corruption qu'on a la tête. Mais réfléchissons comment nous pouvons y aller. C'est ainsi que moi, nous nous sommes dit, le président de la République devrait appeler les états des lieux de chaque territoire. Je parle bien, les états des lieux de chaque territoire devraient à
avoir comme mission mettre, discuter sur une nouvelle constitution. La thématique est non sur la constitution. Ces états de lieu devraient se dérouler dans chaque territoire. Tout négligé à ta tout mon côté. En commençant par l'article 1 de notre constitution actuelle jusqu'à l'article 220. Batouba kende kosolo là. Tout ce qui est quand même sous nos os. Parce que cela vaut de l'avenir de notre pays, Bande Konangaï. Cela vaut de l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. Batounabiso nyonso, Bakongolais nyonso, il faut tous se mettre ensemble. Nous ne pouvons pas se mettre ensemble dans la cacophonie. Il n'y a aucune minorité, comme vous le dites, mais considérez chacun dans ce qu'il est. Moutouna moutou place à Zali, Batouna Batouba, Vanda Basorola. Pour la nini tozo bunda awa. Totika makamboa kobunda. C'est comme ça que nous nous sommes dit, ma kambouana ya koloba oto luka assemblée constituante pour nous réfléchir sur un changement ou bien na ma kambouana ya genani eko simba te kome ma biso esika mon côté. Mais si par contre nous proclamons une 4e république à partir de 2028 et que nous nous disons chaque Congolais devrait apporter sa pierre, nous tournons maintenant, nous nous organisons tous pour que Token de Kosolola dans tous les milieux naturels. Et c'est par là où nous allons réfléchir sur la nationalité congolaise, nous allons réfléchir sur l'économie, nous allons réfléchir sur l'administration. Yangon a biso place au Tobande Koloba, les 145 territoires devraient se manifester et que nabatou nabaka territoire wana, ba vanda, ba se mettre ensemble, ba koloba, bon biso, nous pensons ceci, on est au kanisi. Et parce que résolution wana na katia ba territoire, tomatisi yango maintenant à niveau à la province. Et ce sont les territoires qui enverront une délégation qui iront défendre leurs idéaux. Et outils sur la constitution na Katia, il y a la base pour que bah que nous n'avons la province. On est zakaka mission moko on a zakoloba il y a bah état de lieu. Deuxième mission ekozala. Redynamiser donc l'administration et par, en commençant par l'identification dans tous les territoires. Que ça doit se faire en même temps par le peuple eux-mêmes à la base. Okoyoka batu mususu bakoloba biso awa to simisi toza 4 millions. Nous avons détecté 4 millions na territoire na biso. Awa to lobi toza 300 000. Awa toza 80 000. Awa toza... Que si nous ayons des chiffres réels de tous les Congolais, l'identification des Congolais. Et lorsque nous finirons à identifier les Congolais, les discussions sur la nouvelle constitution et Koko Makadeje se commis au niveau national, ou Batua Bouania, les gens que nous choisissons parmi nous, qui réfléchissent, qui pourront aller avec cette idée-là jusqu'à l'Assemblée nationale et à Sika. Et c'est par là, lorsque le texte sera harmonisé dans l'avocat, Bakotina Kati, Batotiango, faisons-nous confiance, mes frères. Vous allez voir que les gens seront maintenant ensemble bah pour causer la cohésion moko nationale parce que tokoyo banani ango tozo tinda kuna. Et à ce moment-là, nous pourrons maintenant imprimer les cartes d'identité. Ya koloba, nous connaissons maintenant les nombres, nous connaissons l'identité de chaque Congolais. Ba kubanda ko pesa bango ka numéro moko ba lobi numéro obo bango malamu. Et bungate parce que nous allons imprimer les cartes dès que nous serons à la veille du référendum pour adopter constitution à Sika. Et là, je pense que nous ne serons pas en dehors de la constitution autozanango parce que le changement est permis. La constitution elle-même se dit que nous ne pouvons pas discuter de la constitution pendant que nous sommes en guerre, pendant que... Non. Et maintenant, les gens me posent la question, mais si quoi, bah, tout côté, comment une sécurité zalinéine. Et que si la tangue d'ango moko na kati ya ba territoire wana ba koye ba keno, il faut ba kende kosolea. Moutoute ako kende ko bundisa pouvoir na Kinshasa aouya na mando kite. Ou il y a un moment qui faut, il y a un congolais,
à Kokembe Kosolo dans le territoire, mais pour qu'on puisse le reconnaître comme Congolais. Ce qu'il y a à Kamutu, ce qu'il y a à Songolo, ce qu'il y a à Pinaba, Congo, il devrait partir là-bas. Et c'est comme ça, il y a même des mécanismes pour les Congolais. Mais n'étant pas des ressortissants de tous ces, de tous ces territoires-là, non, les sages, les gens qui sont là, tu peux être reconnu. Cela dépend. Ceux qui battent tout le monde, ils disent, ah non, ah ouais, peut te montrer que, il faut à l'assemblée, ah, il y a 300 personnes que moi, je me suis dit, le nombre de 300 personnes pourra être un nombre valable pour chaque territoire de se mettre ensemble pour que Batouba soit là. On pourrait vous appeler et puis Batoutou dans votre territoire, Batoutou se baye bani. Nous connaissons nos leaders naturels dans le territoire. Et donc, un nombre important de 300 personnes qui peuvent être désignées parmi le comité local. Et il y a moyen de le faire. N'a qu'il y sans discussion. Parce que là, nous allons envoyer les gens. Bato baza na mutu, bato baza kubako kende ko réfléchir. C'est par là, na ba comité na siko, bato ba simba mando ki na ba côté kuna, ils pourront être ensemble en se disant bon, ok, mbo kanabiso maintenant pour arriver koza la président de la République, voici le schéma à suivre. Nous allons en discuter. Voilà un peu, mes chers amis, ce que je voulais justement vous apporter ce samedi 30 juin 2024, ma petite réflexion sur la marche de notre pays. Et donc, pour vous qui me suivez pour la première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez pas, parce que nous avons besoin vraiment de vos abonnements d'une façon dont vous n'avez pas l'idée. Vous abonnez, vous partagez, surtout au moins, si nous n'avions pas été sanctionnés sévèrement, c'est parce que aussi, abonnement na binoma partage au bossa la canada émission na biso et pour les réactions les commentaires que vous laissez ça YouTube tient compte de tout ça bande konangai au lieu qui me langa commentaire ou bien suggestion na inbox nanga ou bien na email nangai je préfère que vous laissez ça même sur la vidéo vous aviez réagi ce qui a zatozata na ba 100-200 réaction na katia vidéo moko épais sa calourdeur na vidéo mais puis visibilité dans nos à la Kamakasi. Donc, nous supportons le support que moi je peux attendre de vous. C'est de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez les émissions et laissez des commentaires surtout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, demain, c'est le 1er juillet. Nous entamons notre mois. Donc, à moi de vous souhaiter déjà un bon et succès, un mois plein de bonheur et de joie. Un mois que je pense que nous entrons maintenant dans le dernier carré de cette année 2024. Que ce mois de juillet puisse être un mois de surprise pour tout le monde et de bénédiction. Portez-vous bien donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.